Et bonjour à tous les petits Phoenix, j'espère que vous allez bien. Ici Yaya Phoenix 14 et on est sur une deuxième vidéo sur eFootball 2022. Alors, je tiens à vous remercier de votre soutien. Franchement, ça me fait énormément plaisir. De vos petits pouces bleus et vos petits commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne Yaya Phoenix 14. Alors. Alors, je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une première vidéo, je crois, il y a un ou deux mois, avec l'équipe de départ, et j'avais packé deux défenseurs centrales, si vous vous en souvenez, Upamecano et Lacroix. Entre-temps, j'avais mis des vidéos de frappe, avec Haaland, Payet. Et Pogba, l'équipe a beaucoup évolué et je vais vous la montrer maintenant. Alors, dans les cages, on a Thibaut Courtois, dans l'axe Van Dijk et Marquinhos, à gauche Lucas Hernandez, à droite Eder Militao, mais milieu central N'Golo Kanté, Fede Valverde, en 10 Lionel Messi, à gauche Dimitri Payet, à droite Karim Benzema et en pointe Haaland. J'ai aussi changé d'entraîneur, Allegri, l'entraîneur de la Juventus de Turin, et mes remplaçants, Maignan, Upamecano, Carvajal, Dybala, Sadio Mané, Rodrigo. Et notre Paul Pogba national. Alors on va essayer de faire un petit match amical, tranquillou. Et je joue par rapport à la première vidéo. Avant je jouais en 4-3-3 et là j'ai mis en jeu 4-2-4, 4 défenseurs, 2 milieux de terrain et 4 attaquants. Allez, le temps de chercher un adversaire, tranquillou, pépère. Alors si tu l'as pas vu la première vidéo, je t'invite à la regarder sur la chaîne, bien sûr. Ça met toujours un peu de temps à trouver un petit adversaire. Voilà, force de collectif 2624. Allez, face à l'Inter avec une force collective de 1691, je crois. J'ai pas très bien vu. Bon. Avec le ballon de la Ligue 1.
everybody, and a quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Et on ne vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. Haaland ! Oh ! C'est fabuleux ! Et voilà, troisième minute de jeu. But du cyborg Haaland. C'est un véritable régal pour les yeux. C'est clair, ce but est magnifique. Et le claqué d'entrée de jeu comme ça, eh bien, ça promet. Joli but. Hein. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Number 9, Erling Haaland. C'est joué long, attention. Va-t-il en profiter? Quelle interception! Mal joué. Là. Attention, cette passe en retrait. Aïe, il peut s'en vouloir. La passe allongée. La bonne passe. Oh, Messi! Il y a peut-être Messi! Et c'est au fond! Et le but du Gauss! Alors que le match vient tout juste Lionel de commencer. Messi. Mais ce contre déclenché sur un côté, et quelques instants plus tard, ça fait but. Oui, ils sont carrément effrayants quand ils jouent comme ça. Et il faut dire que le dernier geste n'est pas mal non plus. Marseille vient peut-être de se mettre à l'abri. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Attention, ça peut aller très vite. Quelle passe! Hein? Le coup franc pour l'Olympique de Marseille. Oui, ça démarre fort. C'est le premier joueur de son équipe averti. Valverde. Peut-être une occasion pour Messi. Oh oui! Parade superbe! Oh, quel arrêt! Oui, il était bien concentré. Bravo! Belle frappe en tout cas. Premier corner dans cette rencontre. Non, ça manque d'application. Il y va! Oh, sur un tir, ça méritait d'aller au fond. C'était plutôt pas mal comme tir, vu la distance à laquelle il était. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Cette attaque n'a pas pu se développer. Ce long ballon ne donnera rien. Voilà une bonne occasion de contre. Benzema. Bien joué, il fallait jaillir. Rummenigge. Valverde. La bonne interception. Faute, c'est indiscutable. Messi. Messi. Il a sans doute un peu trop temporisé. C'est dommage. Il avait des coéquipiers qui demandaient le ballon. On va faire tourner un peu. Il préfère jouer avec son gardien. Il la récupère, quelle erreur!
Mais qu'est-ce qu'il me fait pour toi? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, ça commence à être chaud. Peuvent-ils égaliser? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Une contre-attaque by the book, comme on dit. Une passe pas assez appuyée. Il surgit, il va au bout. Magnifique. Il fait la passe à Ibrahimovic. Non, mais... Un but bête comme ça, la con. Ils ont commencé le comeback, mais éhonté jusqu'au bout. Bon, ok, mais la passe était peut-être un peu téléphonée. Il écarte, c'est bien fait. Ibrahimovic. Ce ballon en profondeur vers Benzema. Et allez, il le dépossède du ballon. Ça part en contre. Ça n'ira pas plus loin. Ça n'a pas pu aller plus loin. Peut-être une occasion pour Messi. L'interception est bien jouée. Oui, il a bien anticipé. Messi, bien servi. Oh, l'aspiration. Et voilà, Dimitri. Il compte maintenant deux buts. Voilà. Et voilà le risque quand on perd le ballon au milieu de terrain. Une mauvaise passe et quelques secondes plus tard, on s'en prend. Ils ont fait le break et c'est reparti. Ils ont creusé l'écart. Et s'ils allaient en chercher un autre? Dans la profondeur, bien vu. Faut que ça va partir vite. Ah, vas-y. Là, il va prendre un rouge, et oui. C'est mérité le rouge, franchement. Il a différentes options, laquelle va-t-il choisir? C'est intercepté, quelle bonne lecture. Oui, très bonne anticipation. Non, il n'y aura personne à la réception de cette longue passe. Non, c'est récupéré. Mais non, mais... Mais c'est pas vrai, Courtois. Deux fois, tu me fais l'erreur. À l'arrivée, il s'en est passé les choses dans cette première période. Non, mais c'est pas vrai. Quelle boulette, et les conséquences sont terribles. Eh oui, une seconde d'inattention peut parfois coûter très très cher. Non mais c'est une blague pour toi. Il ne compte plus qu'un petit coup de retard. C'est bon pour le moral ça. Et s'ils allaient chercher l'égalisation? Bien servi. Et pas Payette. Bonne intervention. Ah vas-y. Ah, il m'a gonflé pour toi. Rummenigge. Ah lui... Devant son écran, il doit bien rigoler. Il résiste bien. Zeko. Oui, il y avait bien faute. Non, il n'y a pas faute. Et il prend donc un carton jaune. Je lui donne quand même deux buts, hein, franchement. C'est une frappe. Oui, c'était puissant. Bien repoussé par le gardien. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Zeko. C'est voilà, ça n'importe quoi. Il a profité. Un bon pressing des attaquants. Allez, et voilà comment on passe de défense toi à attaque. C'est bien joué. Eder Militao. Il a du champ sur le côté. Le bon dribble. Quelle occasion, attention! Encore, il peut frapper. Mais voilà. Encore Dimitri Payet. Voilà, un petit doublé. Il n'a pas pu capter le ballon sur le premier tir et il l'a payé cash. C'est vrai que ce encore genre de désolé pour ces deux buts de cas que je prends. La fin de cette première période
Les joueurs vont aller se reposer, à mon avis ça va leur faire le c'est la première fois qu'il me fait ça. Que le score reflète finalement bien la physionomie c'est du incroyable. Match. Et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période, on a du mal à voir comment la victoire pourrait leur échapper. Encore désolé, je comprends pas. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Il enchaîne les dribbles. Valverde. On reste concentré. Hernandez. Non. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Ça peut partir en contre. Ah, oh, vas-y. T'es sérieux là? Et cette faute sera sanctionnée. Ça mérite un coup, il joue même pas la balle, je n'avais même pas la balle. C'est n'importe quoi là. Pas multiplier les fautes, ça pourrait leur coûter très cher. Il pourrait combiner dans la surface, il pourrait aussi se couvrir le jouer directement. Et s'ils encaissent un but maintenant, ils seront peut-être trop loin derrière au tableau d'affichage. Allez, Messi. Oh là 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 là! Il avait mis beaucoup vous l'avez de vu celui-là, ce corps, ce coup franc? Regardez. Oh là là. C'est pas passé loin. Je crois qu'il a touché le poteau. Ouais. Et le triplé, triplé. Il était attendu, il répond sans trembler avec ce triplé. Triplé, triplé. Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Bien joué, Dimitri. C'est une grosse boulette, mais surtout l'attaquant a bien senti le coup. Oh, l'efficacité diabolique, un trick pour lui aujourd'hui. Number 14. Et c'est mérité, il a été insaisissable. Insaisissable. Trois buts d'avance, de quoi respirer un peu plus tranquillement. Dimitri Payet. Le bon ballon. Oh, la belle contre-attaque. Allez, c'est joué dans la profondeur. Il va se planter seul face au gardien. Ah, qu'est-ce que un j'ai bon fait centre dans la surface. C'était pas mal pourtant. Dommage. Trompé de départ en profondeur. Kanté. On n'est pas passé loin d'un score de tennis. Il avait vraiment mis tout son cœur dans ce tir. Avec un peu plus de précision, ça aurait fait très très mal. Bonne interception, il y avait danger. Il cherche son coéquipier. Pas tarder à faire les changements. C'est osé. Peut-être une occasion pour Messi. Oh, il faut frapper. Jusqu'au bout. Oh oui. Et l'addition qui s'alourdit. Bien joué, Alonso. Voilà un one man show tout simplement impressionnant. Oui, il n'a pas hésité à prendre des risques pour se mettre dans la position idéale. Sacré but. C'est son deuxième but aujourd'hui. After 63 minutes is number 9. Cette petite extérieure de Messi. On a gagné 6-2, les petits phénix, avec deux buts gag que j'ai pris de la part de Courtois. Bon, c'est pas grave, l'important c'est la victoire.
Bon, mes petits phénix, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était eFootball 2022. Si la vidéo t'a plu, mets un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Yaya Phoenix 14. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Gros bisous, à plus.